205. Je pense que là, il va falloir s'arrêter là. Oh. Et... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Vous le savez, quand je suis dans ce coin là de ma pièce gaming, c'est parce qu'il y a une vidéo setup, une transformation setup, un truc qui se trame. Et tout simplement dans cette vidéo j'ai décidé de tout refaire ma pièce de stream et vraiment l'orienter dans une pièce dédiée à ça, avec de la place, de l'espace. Donc pour ça, mettez-moi un maximum de pouces bleus. À 800 pouces bleus, je vous fais le déballage de la commande Amazon qui m'aura coûté un bras. Voilà, 800 pouces bleus, je vous fais ça en vidéo et je vous montre du coup comment je place tous ces objets. Bref, dans cette vidéo, je vais tout simplement changer tout la disposition de mes meubles, je vais commander des pièces, je vais avoir de nouvelles pièces pour le setup, voilà. Petit abonnement, on rush les 30 000 abonnés, bordel! Et je vous attends en nombre en commentaire, je perds pas de temps, c'était Léo. À tout de suite. Léo du passé, montre-nous comment t'as changé tout ça. Ah mais attends, mais ça se trouve, tu veux voir. Allez, je te montre. Ok, donc là l'objectif c'est de virer ça et ça sera là qu'il y aura le bureau, donc l'emplacement du bureau avec ce renforcement dans le mur. Voilà, j'espère que le son sera meilleur parce que je vais parler. Allô? Je sais pas si ça va résonner, au pire je mettrai des petites mousses acoustiques ici. Parce que dans tous les cas, faut que ça vienne ici, tout ici. Et du coup un futur décor sur toute cette partie là. Allez, un peu de motivation, là je le prends ça, je le mets là pour l'instant et après je range tout le studio. Ok, nickel, donc on a tout le bordel là. Par contre je fais gaffe de pas rayer, regarder tout le bordel qu'il y avait derrière ça, je vais devoir tout ranger. Et donc ici mon futur bureau normalement, devant ce magnifique mur rouge. Waouh. Ok, donc là je vous explique un peu c'est quoi le but. En fait c'est de tout écarter sur les côtés. Voilà, donc là-bas j'écarte, là j'écarte, tout simplement pour faire venir à deux. Donc parce que moi tout seul je vais pas pouvoir le porter, le bureau à deux, prendre le bureau. Je vais vous allumer les lumières, tiens. Voilà, donc à de prendre le bureau et le décaler juste ici. Et ensuite, je pourrais tout remodeler, tout bien ranger, passer l'aspirateur. Donc, il va falloir faire ça, mais ça, c'est déjà une étape très compliquée. Regardez tout le bordel que j'ai là à finir. Voilà, tout ça, faut que je nettoie. Ensuite, je vais tout simplement venir décaler tout ça pour ensuite tout enlever, le bureau, le mettre à poil et le décaler juste ici. Sauf qu'avant, il faut décaler le tapis. Donc le tapis, il faudra le mettre ici. Et ensuite, il va falloir tout agencer et tout ranger. Parce que j'ai pas envie qu'on voit tout ce bordel dans mes vidéos, dans mes lives et tout. Donc je pense que je vais mettre une webcam, genre. Putain, j'y ai pas pensé, les mecs. Oh, j'avais tout pensé sauf à ça, il y a la lumière. Donc ça peut me faire un putain de contre-jour. Donc faudra que ce soit comme ça. Soit je mettrai une caméra là-haut. Là-haut comme ça, on fera des streams comme ça, j'en sais rien. Du coup voilà, je sais pas, donc bref, j'essaie toujours de... Au pire, je pourrais fermer ça, mettre des K-Live. Ouais, et avoir un studio comme ça. Bref, je sais pas, je verrai, avec un décor, des lumières et tout derrière. Du coup, bah, on continue, on va au charbon, et on sort les biscottos, et on y va, c'est parti. En fait, j'ai une idée, et faut que ça ressemble à ce que j'ai dans ma tête. Dans ma tête, j'ai une idée d'un truc à faire, d'un studio à faire avec plein de LED, plein de néons qu'on commandera dans cette vidéo. Et je veux que ça ressemble à ça. Du coup là j'ai pris sac poubelle, aspirateur, on y va, on range tout. Ok, donc là ça va, ça avance vite. J'ai tout nettoyé, le sol est tout propre, aspiré, nettoyé, il n'y a plus rien. Donc là en fait je pense que ça va aller vraiment rapidement. Il faut juste vider tout le bureau. Hop. Après que j'appelle quelqu'un qui m'aide à mettre le tapis, le bureau juste ici. Et après bah c'est de l'agencement. Et après on se retrouvera quand le PC sera monté. On va commander des petits trucs pour le setup. C'est-à-dire des néons, des LED, des trucs de décoration. On va faire du Jackie Tuning à ma sauce que je kiffe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Allez c'est parti. Donc voilà les mecs, le bureau est mis. Sauf que ce que j'ai pas pensé, c'est que j'étais trop un génie. J'étais trop un génie. Au lieu de le porter, le bureau, je l'ai fait glisser sur le tapis. Donc pas besoin d'aide extérieure. Génie, génie. Après, il faudra gérer un bon petit décor derrière. Faire un coin. Faire un coin sympathique. Parce que j'ai toujours la bande LED, hein, regardez. Hop, et donc ça sera ma prise principale. Voilà. Du coup, j'ai toujours la bande LED qui est installée. Sauf qu'il va falloir que j'ai d'autres prises parce que là j'ai qu'une prise.
Elle est toute petite. Faut que je... Parce que si je mets tout sur une prise comme j'avais fait, genre là, il n'y avait qu'une prise qui partait. Une prise sur une autre prise, sur une autre prise. Là, il y en avait une deuxième qui rejoignait qu'une autre prise. Donc j'avais deux prises, sauf que là, j'en ai qu'une pour brancher cette multiprise. Je vais faire cramer la maison, les mecs. Et à mon avis, faut que ça, je le passe là. Je sais pas, j'hésite. En vrai, ça me saoule d'avoir mes anciens meubles. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Normalement, ça, il y a quelqu'un qui voulait l'acheter. Du coup, à voir pour le revendre. Et si quelqu'un veut une commode, les mecs, venez. Et du coup, il y aura une surprise dans cette vidéo au niveau de mon setup parce qu'il y a une pièce maîtresse qui va changer. Toujours en musique, ouais. Ouais, ouais, moulaga. Est-ce que vous faites pareil, genre grosse musique, ambiance et on range tout? Logique. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ok, donc là vous pouvez voir que ça évolue de fou, le setup est enfin placé normalement. Bon, il n'y a pas encore la chose qui doit arriver en plus, bref. Sinon, pour l'instant, je dois prendre ça, tout ça, tout ça, le pied là, et le mettre ici, dans ce coin, afin d'avoir tous les spots. Donc, par exemple, on aura une softbox, une deuxième, des jeux de lumière qui viennent là, mais je pense vraiment acheter une key light. Vraiment, c'est un petit truc, ça se fixe au bureau, c'est une petite lumière qui viendrait juste là. Parce que là, sinon, c'est trop gros les softbox, je sais pas comment je vais faire, mais bref, il faut déjà déplacer le pied et voir s'il passe là-dedans. Après, faire l'installation électrique, ranger tout le bordel, et je pense qu'on pourra dire qu'on a bien évolué. Et après, bah, on allume tout ça, on passe aux commandes des pièces pour un meilleur setup. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, ça va. À part tout ça, là, faut tout ranger pour que ça fasse un beau truc et que ça ressemble au résultat que je veux espérer. J'espère, je croise les fingers. Ok, les mecs, du coup, là, je viens de manger, il est 15h et j'ai beaucoup avancé. Regardez, j'ai mis le trépied, donc faut que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a tout simplement le trépied, boum boum, avec ça, sauf que je me suis rendu compte que quand j'allumais, bah là, il faisait noir. Du coup, je pense acheter soit le petit panneau Newer, la Newer, là, allez, 40 balles, ou soit là, vous savez, le truc, le rond. Du coup, je sais pas, dites-moi ce qui est le mieux en commentaire. Bref, du coup, là, on a le setup. Tac, 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 tac. Là, et là, faut tout qu'on range ça. Faut que ça, ça vienne là. Bon, après, ça sera vendu, bien sûr. Hop, la télé par-dessus. De toute façon, ça, je suis obligé. Et après, bah, on a juste un décor ici. Là, on a juste un peu à ajuster tout ça. À mettre bien les câbles, faire le câble management, relier le PC. Après, on ira tout simplement sur le PC. Commander tout ce qui est panneau LED et tout. Bref, ça, je l'ai déjà dit. Et on les fixera à un endroit et que je vais vous montrer que vous allez kiffer. Et aussi, il faut que je vous annonce la surprise. Allez, c'est parti. Bon les mecs, j'annonce à ma montre que je n'ai pas, il est 17h40. Il y a de l'évolution. J'ai branché, oulala, oh attendez, deux petites secondes, voilà. J'ai branché le PC, donc le PC est branché. Ah par contre, il y a une ombre, ouais j'ai pas pensé. Ouais, avec une petite lumière, ça sera réglé. Attends, si je fais ça, il y aura encore plus de lumière. Oh ouais, là c'est le bordel, c'est trop éclairé. Du coup, j'ai branché le PC et tout. Tadam ! Voilà ce que ça donne avec les éclairages là-haut. En vrai, ça fait stylé. Faut juste ranger et faut juste que la surprise arrive. Malheureusement, elle arrivera pas aujourd'hui, donc j'espère qu'elle va arriver demain. Au moins, je pourrai l'incruster à la vidéo. Donc demain matin, dimanche matin, je dois sortir cette vidéo dimanche 18h30. Donc j'espère que demain matin, j'aurai le temps d'avoir ça. Du coup, voilà, les lumières, ça fait ça. Hop, du coup, je suis posé. Là, hop, tac, tac. Voilà, nickel, avec mon petit OBS là, juste là. Voilà. En vrai, et regardez ce que j'ai mis aussi. Ouais les mecs, on est à la fête. On est à la fête. Ouais, du coup ça pour les lives, voilà, ça peut être sympa. Donc j'ai installé des petits jeux de lumière que j'avais, des petits effets, j'en ai encore à ajouter. Ouais, de toute façon ça va être un setup qui a vraiment évolué au cours du temps, je l'espère. En tout cas, voilà. Du coup bah je continue, j'avance et puis on se recapte quand on se recapte. Allez, c'est parti. Oh, oh. Non mais vous croyez quand même pas que c'est déjà fini? Non mais attendez, avant de claquer notre argent sur Amazon, il faut finir le chantier. Car en parlant de chantier, hier soir, il s'est passé quelque chose. Faut que je vous montre. Vous savez, là, j'ai mis mon étagère. Et qu'est-ce qu'il y avait ici? Là, il y avait une fleur. Ok, un grand pot avec un cactus, ma réplique d'Airsoft. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous êtes pas prêts. Je vous l'ai annoncé sur Instagram parce que ça m'avait dépité ma soirée. Je me dis quoi, je vais passer un petit coup d'aspirateur final, tout sera fini et ensuite je vous montre tout le setup et on s'en va sur Amazon commander tout ce qui reste quoi. Ah ouais, je mets un petit coup d'aspirateur, sauf que je mets un petit coup d'aspirateur dans l'étagère, qu'est-ce qui se passe? Rambada boom. Et voilà ce qui s'est passé tout simplement. Voilà le chantier. Donc dans tout mon petit décor tout beau. Et bah ça s'est éclaté au sol. Mais bon, si ça serait que là, une plante cassée, regarde, un cactus en moins, une plante cassée, un petit pot, ça s'arrête là. Mais il y a toujours un mais, ça ne peut pas être aussi simple. J'ai mis la planche suprême que je devais envoyer à quelqu'un, à une personne à qui je l'avais vendue, tout simplement ma planche suprême. Voilà, elle était emballée, elle était nickel, elle était neuve. Ma planche suprême que j'avais tout simplement mis à côté, donc c'est-à-dire ici comme ça pour dire oh attends si j'avais une planche suprême qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat.
Bah, vous savez pas quoi. Non, 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 bah non, vous êtes pas prêts, je crois. Le pot est tombé sur la planche. Un trou là l'a défoncé, la planche. Elle était neuve. Elle était neuve, elle était emballée, je devais l'envoyer à un mec. Et là, je l'ai explosé. Mon seum sur une échelle de 1 à 125 000, je suis dégoûté. Et il me reste plus qu'à tout nettoyer. J'ai mon cactus cassé, ma planche cassée, ma réplique ça valait rien, mon parquet ça valait rien. Dieu merci, on a limité la casse, mais on a... Comment j'annonce moi au mec à qui il me l'a acheté? Bon bah monsieur, excusez-moi, mais je l'ai pété. C'est carrément insane. Du coup bref, on y va, on prend l'aspirateur et c'est parti. Et après on ira claquer quand même le peu d'argent qui nous reste avec nos conneries. C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est long de passer l'aspirateur. Regardez, ça fait déjà plus propre comme ça, un parquet tout propre. Et ça me saoule parce que ce tuyau là, Rail fait des petites traces sur le parquet. Du coup je suis dégoûté, j'ai plus qu'à tout refaire l'étagère. Ah, mais là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser sur Amazon et de tout commander. Et le pire du pire hein, c'est que je devais live hier pour vous montrer en avant-première sur ma deuxième chaîne de live et de gaming, de vlog et tout. Quasiment une vidéo tous les 3 jours qui est en description. Voilà, bientôt 2000 abonnés. Donc je devais faire un live, bah du coup je l'ai pas fait parce que bah il y avait de la terre de partout. Donc voilà, ma planche est défoncée. Donc je sais pas quelle utilisation je vais lui donner, mais certainement pas celle d'aller la revendre quoi. Bref, allez c'est pas grave, on garde le smile. Et je pense qu'on peut enfin aller se poser. Ah, tac. Et regardez, qu'est-ce qu'on peut commander pour améliorer le setup. Ok, ok, du coup on se retrouve directement là dans le setup. Ah, ça fait plaisir. Sur le PC, tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter. Là, on va claquer un peu de YouTube Money, les mecs. On va claquer un bon billet parce qu'on doit tout simplement se mettre à l'aise et faire un décor. Parce que, comme vous l'avez vu derrière moi, bah c'est pas top quoi. Du coup, j'ai fait une petite liste de ce qu'il me faut pour le setup, pour le décor, ce qui pourrait être sympa. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui peut être mis, donc ce que je pourrais mettre carrément pour faire un meilleur setup, tu vois, pour que dans les vidéos, dans les lives, vous voyez des trucs. Donc déjà, je pense qu'on va direct aller sur Amazon. Je pense que c'est le meilleur site pour faire ça. Hop, direct Amazon, donc voilà. Donc déjà, il me faut un truc, c'est pour le micro, parce que là, vous voyez pas le micro, parce qu'en fait, la perche, elle est cassée. Elle est fixée loin. Du coup, le micro, je peux pas le mettre à côté de moi. Du coup, ce qu'il me faudrait, c'est une perche pour micro. Donc on va tout simplement taper ça, donc perche pour micro. Voilà, parfait. J'aimerais bien la Rode. Vous savez, la Rode PSA One que tous les youtubeurs ont. Donc, si tous les youtubeurs l'ont, c'est qu'à mon avis, elle est bien. Donc, on va voir. Ok, donc elle est là. Donc, Rode. Ok, nice. Oh. Oh. Elle est... Il reste plus qu'un exemplaire. Attends. Ajoute au panier. Combien elle coûte? 64. Ok, non. Non. Vas-y, c'est pour le setup les mecs hein. Ah, est-ce que j'ai envie de mettre celle-là? Là ici, un gros nounours les mecs. Donc là tout simplement taper gros. Oh, ça pourrait être pas mal ça. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il nous faut, c'est un méga gros nounours. Mais regardez la taille du truc. Ça, mais moi je le voudrais ici ce truc. Attendez, mais j'ai vu les prix, c'est affolant. 1m60, 69 euros. 1m60, ah, oh, c'est celui-là. Mais c'est nickel, mais il va passer crème. Vas-y, on va le mettre là. Poser, par contre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres couleurs? Plus 20. Ça fait mon bras. C'est mon bras. Oh. Mettez tous un pouce bleu et allez regarder les pubs YouTube en description. Parce que là, pour payer tout ça, les mecs, c'est insane. C'est parce que l'ours, je veux le mettre dans la jungle. Voilà, c'est ça qu'il me faut. On va le mettre dans la jungle. On va l'appeler Bomba. Bomba avec le bambou. Et donc, pour dernier produit, il nous faut des lampes LED, les mecs. Parce qu'il faut tout simplement éclairer tout ça. Et donc, on va tout simplement taper spot. Si on pourra en avoir en préférence un ou deux. Et regardez, c'est pour éclairer les extérieurs des maisons et tout ça. Ça a l'air d'envoyer de la patate quand même. Et la distance jusqu'à 8 mètres. Donc, c'est-à-dire que je peux sortir, je peux aller à l'autre bout de ma maison, je peux activer. Bon, ma maison, elle fait pas 8 mètres. Ça va quand même. 205. Je pense que là, il va falloir s'arrêter. Une vidéo qui m'aura coûté 254 euros, mais c'est un truc de malade. Attends, j'ai besoin de quoi d'autre? Parce que là, autant tout claquer d'un coup. Hein. Ok, me revoilà avec
La carte, les mecs, et là il va falloir payer. Et là c'est le moment où ça fait un petit peu mal, je vais pas vous mentir. Mettez un pouce bleu et on y va. Mais avant, pour ceux qui voudraient savoir, donc c'est la carte que j'ai présentée de nombreuses fois en story. Donc voilà, donc c'est la carte card, je vous la montre. Et donc en fait je vais vous montrer que c'est possible de commander avec ça sur internet. Donc c'est totalement gratuit pour les mineurs, donc pour les gens de moins de 18 ans vous pouvez en avoir une. Mettre votre argent, faire des transactions PayPal sur votre carte et tout, c'est super sympathique. Et donc voilà, donc je vous mets le lien en description, vous avez un petit code affiliation. Donc c'est code LEOBOU8 et vous allez avoir de l'argent offert à votre inscription sur la carte. Voilà, tout simplement, c'est totalement gratuit. Donc j'ai mon panier Amazon. Bon, j'ai mis la cam en grand parce que faut pas voir mes codes quand même. Du coup je rentre tout ça et on se retrouve quand la commande sera passée, quand ça m'aura retiré un poumon tout simplement. C'est parti. Ok, donc voilà, donc là c'est le moment. Je suis sur le acheter. Attendez, hop, je me mets bien sur le acheter. Je clique, vous êtes prêts? Regardez, voilà. Donc voilà tout le monde, je viens de passer la commande Amazon, je suis super content en vrai parce que ça va carrément améliorer le setup les mecs, vous vous rendez pas compte, on aura enfin un putain de décor, ça va être un truc de fou. Ah bah je viens à l'instant de recevoir ma notification de la nouvelle dépense, voilà, donc card, la nouvelle dépense. Donc le lien de la carte est en description pour ceux qui voudraient voir et du coup je vais récapituler, vous montrer du coup le résultat final parce que ça y est, on y va, on se le fait en musique ou on se le fait en détaillant? Bon, déjà je vais vous montrer où va être les articles que je vais recevoir. Donc tout simplement là on a le décor si je puis dire, donc là on aura tout simplement ça, tout ça là j'ai tout rangé, hop, tout ça, ça va jarter, ça aussi en fait, donc ça, je vais garder jusque là en fait, tout ça je vais garder, ça, ça va jarter, et en fait tout simplement ici, genre dans les alentours d'ici, je vais mettre le gros nounours que vous avez vu que j'avais pris. Ensuite le palmier, au moins Pascal elle va être dans son petit élément tout simplement. Ensuite je vais avoir les projecteurs qui vont faire chou comme ça chou. Et pour finir le bras de micro, regardez, il était cassé jusque là-bas, du coup il va aller là. Et je pense que c'est le bon moment pour vous montrer du coup le setup, regardez. Est-ce que vous kiffez pas ça les mecs? Donc si on détaille, là on a les lumières et tout, tout ce qui est gérable avec les petites télécommandes, tout ça, tout ça. Le Mac pour faire les montages, hop, voilà, les écrans. Et puis voilà, donc là on a le setup, donc si on fait une vue d'ensemble, ça donne tout ça. En vrai ça va, hein, comme pièce de stream, ça va. Bon là bien sûr c'est pas rangé, de toute façon tous ces meubles vont devoir bouger, c'est des meubles quand j'étais bébé tout simplement. Mais là vous vous dites, attends Léo, tu nous as pas parlé d'une surprise? Et bah malheureusement elle est pas arrivée, mais bon je vais quand même vous le dire. Les mecs, pour le setup, vous savez très bien que je voulais un écran 144Hz pour faire 3 écrans, ça, pour pouvoir mettre le chat et tout à la verticale, pour pouvoir avoir le chat à la verticale, pour pouvoir avoir 3 écrans super, un 144Hz pour jouer à Fortnite et tout. Donc je l'ai fait les mecs tout simplement il y a quelques jours sur mon objectif don de live, j'avais tout simplement mis un écran 144Hz, on a rempli l'objectif et je vous en remercie amplement. Et du coup je l'ai commandé, il devait arriver hier, donc samedi, vous savez que la pandémie et tout, il est pas arrivé, mais du coup je compte sur vous pour venir me suivre sur Instagram, au moins je ferai le déballage de l'écran sur Instagram. Bah il y aura un troisième écran tout simplement qui sera au milieu et donc un des deux que je pivoterai pour pouvoir lire le chat tout simplement, ça peut être super cool. Putain les mecs, je viens de poser mon gorillapod juste ici tout simplement, mon Joby, et regardez il s'est cassé, donc je viens de dépenser à fond pour mon setup et mon matériel se casse. Ah non mais c'est carrément pas ma journée et c'est pas ma vidéo, et moi je vais direct aller me poser, faire le montage et vous sortir cette vidéo parce que là c'est du grand n'importe quoi, je vais finir par tout casser. Bref c'était long, j'espère que cette vidéo vous aura plus parce que je sais que vous aimez tout simplement tous ces genres de petits vidéos setup, voilà, ce genre de vlog setup si on peut appeler ça. Donc là il va falloir que je remplisse tout ça, que j'évite de tout casser encore une fois. Je vous attends nombreux et nombreux en commentaire à mettre des petits pouces bleus, à noter, à mettre une note sur 20 dans les commentaires pour ce setup. Et au niveau de ma connexion, bah elle est toujours défoncée, mais bon, on live toujours sur ma chaîne secondaire qui est en description. C'était Léo, on se dit à mercredi 15h pour une vidéo moto. Je pense que j'ai rien de plus à vous dire. Ciao ciao.